Bon, je viens d'avoir un petit paquet dans la poste. I just received a little package in the mailbox. I don't know from who it comes, but it's coming from Quebec. So I have a little idea what it could be. But let's open it. Do-do-do-do. I open it in front of the fireplace because I think it's gonna be helpful there. Yes, sir. Look, oh my goodness. That's coming from my friend Frank. Have fun, bro. Hey, thanks a lot. A mini stick, some mini stick, and a big orange one. Wow, look at that. And this, it's look like some fireball. Let's say fireball. I'm gonna try that later on today, my friend, and give you news about what I think of it. But you know already that I am quite impressed about that product. It's a really a good stuff, and in orange like that, it's really nice. Fat rope stick. Thank you. Bon, le café a commencé à percoler, puis il m'est venu une idée folle. C'est de préparer, pendant que le café percole, un petit morceau du stick sur de la neige que j'ai. Je vous mens pas, je l'ai ramassé ici, là. Hein? Vous voyez? Eh bien, je vais essayer d'allumer sur la neige. Presque. Et voilà, parti sur la neige. Voyons voir ce que ça fait. Alors là, c'est drôlement intéressant. Pendant que vous entendez le café percoler, on fait du feu sur la neige. Alors, puis ça brûle très intense. J'aurais pu m'allumer un feu sur la neige. Simplement. Je l'ai juste effiloché. Si je m'étais gardé un morceau peut-être moins effiloché, il aurait brûlé plus longtemps. Là. Je voulais juste vous montrer. C'est sûr qu'à l'usage, on développe sa façon de travailler avec un allume-feu de cette nature. Et voilà. De mieux en mieux, la rivière ne cesse de monter. On voit qu'il reste encore un petit peu de neige ici, mais sinon, c'est tout fondu. On va essayer d'aller par là-bas. Les travailleurs sont pas là au nouveau pont, fait qu'on va peut-être pouvoir traverser. À tantôt.
Eh bien, voilà. Enfin, le nouveau pont est complété et on nous redonne accès à notre passage sur la promenade sur le bord de la rivière. Ah, ça, c'est la meilleure nouvelle depuis longtemps. On était privé de cette jonction depuis l'année passée. Yeah! Eh bien, on voit que ici, les travailleurs ont émondé des arbres sur le bord de la promenade. Ah, ça, c'est mon bâton de chêne tout tremble que j'ai récupéré. Ça m'a fait un bâton de marche et ça prend du combustible. Et là, ben, on me fournit le combustible déjà coupé. Quand même, le morceau ici devrait faire notre bonheur, même s'il est trempé. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je vais essayer de zoomer, mais il y a des petits grésils. Vous voyez, regardez que je monte ici et là, qui commencent à tomber. Et je vais voir ce nouveau champignon qui résistait à la froidure. Bon, on va se trouver un bon spot et puis on va se faire un petit peu à manger et du café chaud. Bon, on va s'installer ici. Je vais essayer de vous présenter le spot vite, comme vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, parce que moi avec mon iPhone, j'ai pas la capacité de filmer pendant 3 heures. Donc ici, j'ai le petit bout de chêne et le morceau de... Je pense que c'est de l'érable argenté. J'ai ici bon, une boîte de sardines, de la bannique et du bacon, tout pour faire cuire, mes couteaux, et bien entendu j'ai amené attendez qu'il faut que je fasse, bon je suis à l'envers, hein? C'est brillant. Le fatso stick en format régulier que je vous ai présenté sur Instagram. Et comme un bel imbécile, j'ai flushé mes vidéos avant de les transférer sur l'ordinateur. Au cas où, j'ai amené du bois sec ici dans le fond de mon sac. On verra bien. Ah! Le canard colvert qui va sûrement passer l'hiver ici. Oui, parce qu'il y a des imbéciles qui les nourrissent. Enfin. Oh, oh, oh! Avez-vous vu? Ils nous ont passé en pleine gueule. Bon, je me prépare. En même temps, je vais vous faire un petit retour sur cette scie que j'avais achetée au printemps. La Fiskars Power Tooth rétractable avec un mousqueton ici. C'est bien. Bon, vous voyez, c'est des lames qui sont plutôt minces, hein? Donc ça tord, mais dans du chêne de... hein? Ça fait le boulot. Le chêne. Bon, je continue. Bon. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, parce que moi avec l'iPhone, je ne peux pas voir et filmer en même temps, mais j'ai ici le petit morceau là, sur la bûche que j'ai ramassée, mais c'est trempe, c'est gorgé de sève, on peut voir. Donc, je ne sais pas si je vais l'utiliser. D'après moi, c'est du bois vert. On le voit ici là, par la teinte. C'est... quand on met le couteau dedans, puis ça fait ça, là, que ça se referme presque automatiquement dessus, puis qu'on voit un peu de sève. Voyez-vous ce chêne, à quel point il est humide. On voit même la couleur ici. C'est très humide. Bon. Je vais préparer un peu de fatso stick dans cette... c'est un repose-cuillère qui vient du Dollarama, que je trouve drôlement utile. Ça peut servir, bon, pour préparer
son allume-feu, que ce soit bois gras, écorce de bouleau, allume-feu fait par l'homme, ça peut servir d'une toute petite poêle pour se faire un œuf. Ça peut servir aussi de pelle. J'ai même l'intention peut-être d'affûter un peu le bout, ou en tout cas pour le rendre plus coupant quand on creuse pour couper les racines. Bon, mais trêve de discussion, je vais prendre mon rat pour me préparer un bout. Il y a le petit format ici. Celui-là, je pense que je vais le traîner partout. Ça, je vais en avoir pour un méchant bout. Mais aussitôt que j'aurai fini, c'est presque sûr, je vais m'en commander. Parce que l'hiver, ou dans les conditions ultra adverses, c'est génial, comme vous avez pu voir sur mon Instagram. Bon, oui, l'écorce de bouleau, il y a plein d'autres choses qui peuvent être utilisées, mais ça, c'est du concentré pratique qu'on peut traîner. Boule de ouate avec de la vaseline, oui, je l'ai fait, beaucoup l'ont fait, mais c'est salissant. Je pense que ça vaut la peine. Je vous mettrai un lien dans la description pour vous en procurer. Bon. Et si je réussis à me couper ce morceau, je pense que ça devrait être plus que suffisant. Chaque brin est bien, une bibée enrobée, momifiée, tiens, voilà, momifiée dans la recette secrète. Je vais préserver le reste. Ça ne sera pas nécessaire. Même là, je pense en avoir trop. Mais comme j'ai un bois très, très humide, je veux m'assurer. Je vais mettre ça. J'ai mis une petite couche déjà dans le fond. Je ne sais pas si on les voit. J'ai des brindilles ici, là, que je vais rajouter par la suite. Et après ça, j'ai un peu d'autres bois. Tiens. On va mettre la moitié de ce que j'ai coupé. Et si besoin est, on en mettra un peu plus. Je vais en prendre juste un petit peu, bien pour mettre sur le dessus. Ah, je pensais qu'il prendrait. Alors on va mettre ça ici, et là on va mettre nos brindilles qui sont en passant humides. Ça dégage une chaleur incroyable. Je vais continuer pour ne pas manquer d'espace mémoire et je vous reprends plus tard. Bon, maintenant que le feu est allumé, mais ce fut difficile parce que là, on va dresser la poêle avec du bacon, comme d'habitude. Ouais, j'ai sorti un peu de chaîne du sac sec parce que l'humide, je serai ici encore demain en train de le faire sécher. L'érable, la santé, on oublie ça, c'est beaucoup trop mouillé. Et l'autre, ben là, en le mélangeant les deux, je vais réussir à faire quelque chose de bien. Mais l'allume-feu, écoute, dans des conditions comme ça, froide, humide, tout est trompe partout, c'est bien.
on va préparer la bannique. Je ne sais pas si vous voyez, je vais me tourner un peu par ici. Alors j'ai amené deux bâtons de bannique parce que je me suis dit, fois, s'il y a quelqu'un que je présente et qui me dit, hey, qu'est-ce que tu fais là, et peut-être que je pourrais lui offrir un peu de bannique. Hein. Et puis, sinon, je demanderai tout. Ah oui, pour mon ami Philou, Biliane Nature, Fifi pour les intimes, ma recette de bannique, mais c'est pas compliqué, hein. Ça, tu y vas après ça à la quantité que tu veux, mais ma base, c'est 6 tasses de farine pour à peu près 3 bonnes cuillères à soupe de Saint-Doux. On peut utiliser de l'huile si on veut, mais moi, je trouve que le Saint-Doux donne un meilleur rendement, si tu veux. Et puis, ensuite, du sel, de la poudre à pâte ou levure chimique, comme vous dites en France. Et puis, de la cassonade, bien entendu. Je vais remuer mon bacon avant qu'il ne... Ah, probablement que je me fous directement dans la caméra. Hein. Et là, je cherche mes petites pinces. Je ne sais pas où je les ai situées. Attendez, là. Ah, mais. Ça, c'est brillant. Enfin. Ah, ils sont ici. Voilà. Ça, c'est les vieilles pinces de mon feu défunt. Petite section. Et puis, ce petit réchaud maison fait à partir d'un boîtier d'ordinateur, bien, je dois avouer que ça fait le travail agréablement dit. Agréablement dit. Compact, léger. Tout ce qu'il faut. Bon, on va retirer notre bacon. Ça va être bon en attendant le panique. Ça ici, ce petit truc là en silicone, 2$ au magasin, 1$. C'est merveilleux. Surtout pour manipuler le poêle en fonte. Bon, on s'envoie la petite panique. Et voilà. Oh. Bon, je vous reprends quand c'est cuit, hein. Et on va avoir un bon café avec la bannique et les sardines là-bas, sardines à l'huile. Ça faisait longtemps. On va se régaler. Oui, oui, oui. Une bonne petite sardine sur de la bannique. Regarde comme elle est tendre et moelleuse, Philou. Bon, ben, on a tout ramassé. Rien n'y paraît. J'ai laissé la bûche pour quelqu'un d'autre, si jamais ça lui tente. Et on y va au son des cloches de la cathédrale de Saint-Hyacinthe. Eh bien, merci de m'avoir accompagné dans cette petite escapade et merci aussi à Frank de Fat Rob Stick pour son merveilleux allume-feu. Intéressant,
pratique. Bye!